vous demande de ne pas prendre cela en considération. De ne pas prendre cela en considération parce que nous sommes des frères dans l'amour et dans vraiment la fraternité, l'affection qui nous unit. Et nous allons continuer à célébrer cette chanson, Viviane. L'artiste Prince Aimé qui est sorti et donnant des clarifications et confirmations sur certains sujets qui ont bouleversé la toile d'intensité. Voilà, il s'agit du projet des featuring. Voilà, il y a les envois Dieu sur là-bas disant que voilà, eux-mêmes, ils vont faire leur truc, ça va bien mousser. Et puis, demandant à des bordeaux de laisser tomber. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne et qui vous dit tout et par rapport à ce projet de Viviane de Desbordeaux. Desbordeaux qui a dit qu'il va balancer le son, mais tous les revenus seront à qui? Seront à Prince Aimé. Et donc, suite à cela, et Prince Aimé est sorti et il a fait une vidéo disant « Maintenant, je suis là comme ça, mais avant que je ne collabore avec quelqu'un d'autre, il faut que la chanson de Desbordeaux doit sortir d'abord » et a donné certaines précisions que je vous laisse regarder. C'est votre gars SLM sur la chaîne de SLM Pro TV. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous. Vérifiez voir si vous avez activé la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et actus. Et je vous laisse regarder quoi? Les affirmations de Prince Aimé et tous les conjonctions qui sont autour de ça. Let's go. Tous mes frères et sœurs africains, merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Merci pour toute la joie vraiment que vous m'apportez, pour tout le bonheur immense que vous m'apportez. Je vous suis infiniment reconnaissant et je voudrais dire que nous sommes appelés à célébrer encore ensemble cette merveilleuse œuvre, cette œuvre Viviane. Je voudrais tout simplement vous dire que je n'ai rien à y voir dans les polémiques. Nous sommes tous frères et sœurs, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ces deux peuples frères, unis par des liens d'histoire et de fraternité. Et je crois que Desbordeaux et Prince Aimé, Dieu a bien voulu qu'en ce moment, nous puissions faire rêver l'Afrique. Et nous allons faire rêver l'Afrique. Nous ne sommes pas dans les polémiques. Nous allons faire rêver l'Afrique. C'est ce qui compte. Merci au général Makosso. Merci également à tous ceux et celles qui me soutiennent de par le monde entier. Je vous suis encore infiniment reconnaissant. Et je veux dire que vraiment, pour tous mes frères ivoiriens qui ont été peut-être blessés par certains propos de mes frères et sœurs, je vous demande de ne pas prendre cela en considération. De ne pas prendre cela en considération parce que nous sommes des frères dans l'amour et dans vraiment la fraternité, l'affection qui nous unit. Et nous allons continuer à célébrer cette chanson Viviane. Pour ceux qui font le buzz, moi je vais dire, pardon, faisons le buzz constructif. Le buzz positif et non le buzz pour détruire. Je n'ai pas trop à polémiquer. Vous n'avez pas de doute. Moi, je suis le seul et le véritable papa de Viviane. Voilà, c'est moi-même. Je parle avec beaucoup de fierté, malgré certains coups que je prends et malgré certaines choses que j'entends. Je ne me fie pas à ça. Je sais que le bon Dieu m'a inspiré cette œuvre. Aujourd'hui, le monde entier, l'Afrique, est en train de la célébrer. Je ne peux que dire merci à Dieu. Merci à mon frère Desbordeaux, Likoufa, qui a bien voulu réveiller encore cette chanson. Et je voudrais aussi dire à mes frères camerounais, à tous mes collègues artistes camerounais, qu'il n'y a aucun problème. Viviane aura plusieurs versions et plusieurs featuring. On a connu plusieurs versions du Soul Makossa avec le regretté Papa Manu Dibango, également avec Maman, la regrettée Maman Myriam Makeba, avec Pata Pata. Donc, il y a eu plusieurs subversions. Donc, je crois qu'il n'y a pas de souci. Pour mes frères, collègues camerounais, artistes, je voudrais leur dire que après le futuring avec Desbordeaux, nous allons faire le futuring ensemble. Et tous ceux et celles qui veulent le futuring avec Prince Aimé, après le futuring avec Desbordeaux, pourront avoir l'occasion de faire le futuring avec Prince Aimé. Prince Aimé Desbordeaux, Prince Aimé Desbordeaux, c'est le dieu d'Afrique. Prince Aimé Desbordeaux, c'est le dieu d'Afrique. Prince Aimé Desbordeaux, c'est les enfants d'une même famille. Prince Aimé Desbordeaux, c'est les enfants d'une même famille. Camerounais, ivoiriens, c'est les enfants. Allez, on se réveille, nouveau dossier. Malotte, ça fait ses 14 mois, vient de prendre sa gueule, André Guen.
pour venir s'excuser auprès des Débordeaux et auprès des Ivoiriens. Quand je tenais à m'excuser après tous les propos. Attends, Ridan. Tu as vu que la ville n'est pas un jeu, non? Tu as vu que quand chien mange une homme, c'est vilain à voir, non? Toi, tu voulais te jouer tes rescapés, tu prends ta bouche qui s'est éveillée là, tu es venu insulter Débordeaux, qui est notre baobab, et puis tu es venu nous insulter, le peuple ivoirien. C'est de mal nous connaître, c'est de très mal nous connaître. Il y a ton palmarès. Tu fais un an vidéo YouTube, un an, tu fais 24 000 vues. C'est toi, tes nièces, tes oncles, tes tantes, tes neveux, vous tous vous êtes assis et puis vous avez regardé. Et toi-même, regarde le palmarès de Débordeaux. Et ça tient te comparer, c'est même chose. C'est ça là, vous appelez artiste, malos, grosse gueule. Sa tête en des genoux, là. C'est ça que vous appelez artiste. Connaissant la sagesse de Débordeaux, je suis sûr, à cause de la situation de Prince Aimé, il va accepter de faire ce remix-là. Même s'il fait sortir, nous on boycotte, on n'écoute pas. Vous allez vivre ça. L'argent qu'il devait toucher, c'est plus même argent, il va toucher. Regardez son main. Donne ton avis dans les commentaires, bon entendez, salut. Peace. Allez, allez, on se réveille, nouveau dossier. Après les excuses de la femme enceinte Malox, l'homme le plus maudit du Cameroun qui veut propager sa malédiction aux Ivoiriens. Là. Et vu la précarité dans laquelle Prince Aimé se trouve actuellement, Débordeaux a eu pitié et il décide de faire sortir le son Viviane. Et il a même précisé dans son poste que le son va sortir dans quelques heures. Débordeaux, tu as eu pitié de lui, ok, pas de souci. Mais à cause de Malox, la femme enceinte, le maudit du Cameroun, nous on va boycotter ce son, on ne va pas écouter. C'est Djeneba Bobara qui est notre hit actuellement. En 24 heures, il a annoncé le challenge Djeneba Bobara. Nous sommes déjà à plus de 1 million de vues. C'est devant vous ici, Malox dit, il va rassembler les Avengers. Lui, il va faire featuring de Viviane avec Prince Aimé. Donc faites, faites votre featuring. Ça a sorti 15 000 vues. Parce que nous, Ivoiriens, on a déjà décidé. Viviano, Malox, Cameruno, les Avengers. Prince Emeo, Abetou Babzier, bien on a avancé. Vous pensez que c'est nous, Ivoiriens, nous avons moins cher. Vous êtes drôle, hein. Mes compatriotes Ivoiriens, on continue avec le challenge Djeneba. Et ils vont vivre ça. Ils vont savoir que quand chien mange comme c'est vilain à voir. Et c'est mieux, tu vas donner ton avis dans les commentaires. Avant d'entendre, salut. Peace. Allez, allez, tonton, on se réveille nouveau dossier. Le nouveau challenge Djeneba de Débordeaux qu'on a lancé. Et puis ça fait 1 million de vues en 24 heures. Et tu as un pays, etc. Un pays, si je savais, qui s'appelle le Mali. Qui vient dire Djeneba, c'est pour eux. Nous, Ivoiriens, on ne parle pas beaucoup, on parle des preuves. On a voulu faire Vivian la Djanjou, la Djanjou, la Pocle, la vendeuse de piment au Cameroun. Mais Malox, l'épervier, hein, c'est 14 Lox. Elle est venue faire sa sorcellerie. On a déposé, on a dit Malox, Cameruno, Viviano, Prince Emeo, Abetou Babzier, et puis avancer ça là-bas. On a pris Djeneba maintenant. Voici des scolopans de Maliens qui sortent. Comment c'est à nous? Regardez Lava. Nous, on a sorti le 4 novembre 2018. Vous avez sorti en quelle année? Le 7 août 2021. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous les Maliens, énervez-nous. Énervez-nous. Dès demain, à partir de 16h15, il n'y a plus courant au Mali. Quelqu'un va venir nous énerver. C'est là, nous, Ivoiriens, vous montrer que quand chien mange chien, c'est vilain à voir. Donne ton avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser le like, partager. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve juste derrière cette vidéo.